Bonjour, monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je viens faire une petite vidéo de mes petits achats d'hier. J'ai un peu trop craqué. Du coup, voilà. Tout est dans ce petit sac, un peu entassé. Il y en a un autre livre qui est à côté. Je vous montrerai. Du coup, je vous montre parce que j'ai pris les marque-pages de chez Molière. C'est toujours là-bas maintenant que je vais chercher mes livres, là où chez Club. C'est une petite librairie. Enfin, c'est comme ça que j'aurais dû la mettre. Molière. Librairie Molière. Voilà, parce que on n'a plus d'autres. Et du coup, ben, je vais vous montrer tout ça. Je vais essayer de sortir tous les livres avant de tout vous montrer. En fait, j'allais pour deux livres, mais j'ai un peu trop craqué. Du coup, voilà. Je me suis pris en poche et je pensais pas qu'il était aussi gros. Celui-ci, Rustia, je sais pas comment ça se prononce. Emma Bardieu. J'aime bien le faucon qui est sur la page. C'était un tome 1. Et je sais même pas c'est quoi comme émission. Édition. Ito. Je sais pas c'est. Je ne sais pas, je ne connais pas, c'est la première fois. Sur le chapitre, il y a des petites lames. Et je vais vous lire. Je lirai peut-être pas toute la couverture, toutes les quatrièmes de couverture parce que je dois partir. Il est très tôt au matin, il est 6h36. Et je prends mon bus. Il faut que je parte dans 1 heure. Du coup, voilà. Il faut que je finisse de déjeuner avec ma super belle tasse. Regardez qu'elle est belle. Que je vous mette le nom de la créatrice, elle fait des super tasses, je suis trop contente. Du coup, je voulais un petit peu le résumé de celui-ci. Cherche Cara Kaffer Tro, c'est son nom de famille, je suppose. C'est une fille unique du parrain de la de Cara Camorra, la mafia napolitaine ferme pour devenir une tueuse, impliquant elle entend amener à bien sa mission confiée par son père 12 ans plus tôt. Séduisante, assurée, vitalité à Zaro, le chef de la brigade russe. Pour y parvenir, elle peut compter sur Miro, son ami d'enfant, chargé des limiter les genoux de Vitali, de Marsoukou. Smoku. Serge se fait passer pour Katerina, la fille d'un riche négociant russe. Grâce à son plan Aude, elle captivite l'intérieur de Bavat et se retrouve rapidement confrontée à une vitalité. Excusez-moi, je suis un peu malade. Vitalité, même si le parrain respire et charge. Elle doit bien reconnaître qu'il possède un charme indéterminable. Serge va tout faire pour attiser son désir, sans jamais perdre en vue que Vitali est une cible d'ennemi. Mais endosse la faute, identifie, se prend un risque de ne pas prendre soi-même. Surtout quand tu pourras être apprente à ces, je sais pas quoi, parce que il y a l'étiquette dessus. Je vais pas savoir le lire. Oh, je saurais pas vous lire. Il y a vraiment l'étiquette sur la dernière phrase. Regardez. Du coup, je saurais pas vous lire. À ces, je sais qu'il y a une femme à la fin. Jeune femme. J'essaie de retirer.
Assez dépend. Ouais, ça assez dépend. Faudrait que j'essaye de. Ah voilà, je sais. Faut que je fasse. Parce que j'avais. Ouais, assez dépend. Voilà. Il est trop beau celui-là. Après, je me suis pris celui qui me tentait beaucoup. Le mec du chalet de Émilie Jurieu chez Hugo Poche. C'est un Noël. Et du coup, celui-là, c'est Clara et mère célibataire de deux enfants. Non plus exprimement. Clara est une mère célibataire de deux diaboliques. Elle aime de tout son cœur, mais elle ne peut pas nier qu'ils sont parfois insupportables. Pourtant, quand le directeur de la colline où elle les a inscrits l'appelle, elle voit rouge, comme ces petits garçons chéris seraient insupportables si, et s'il si faut qu'elle interrompt ses premières vacances en solo depuis leur naissance pour venir les récupérer en pleine montagne. Le Père Noël a-t-il donc aucune pitié? Joseph, incapable de s'occuper d'un groupe d'enfants pendant quelques jours, va entendre parler d'elle. Clara est très remontée jusqu'au moment où elle arrive aux portes du chalet. Ce type musclé, sexy, en train de engueuler ses fils, c'est Joris, Joris, je sais pas comment ça se dit. Elle a demandé un bel homme pour Noël. C'est elle, ne l'attendait pas à ce qu'il soit aussi odieux. Voilà. Ça donne envie. Et en plus, il n'est pas très long celui-ci. Enfin, je suis déjà dans deux lectures. Du coup, c'est pas le moment. 331 pages. Il m'en reste encore. Celui-là, il est beau. Je sais pas ce qu'il vaut. J'ai lu que la petite phrase d'accroche. Il est trop beau. C'est addictif. J'aime beaucoup. Je l'ai vu passer nulle part. Traia Skydi. C'est addictif. Moi, j'ai lu ça et ça. Et en plus, ça est un peu en relief. Le nom est en relief. J'adore. Bon, Joule Scart of Del. Je sais pas dire les noms en anglais. Dieu, mais aucun des deux n'est prêt à aimer, alors qu'ils vont se détester. Je lis ça et après j'arrêterai. Trahis par les siens, Marnon a fait une croix sur la vie de son identité passée en ses parents et reconnue. Reconstituer, je sais plus lire, et un enfant de la rue qui fuit les sentiments et ce qui lui ont déjà coûté tous deux portant le marque de l'enfer qu'ils ont vécu. Aucun d'eux n'avait vécu d'autre dans sa vie. Mais quel diable s'invite au paradis? Le Fortini brouille les certitudes valisées des règles du jeu, changeant et finissant par faire se désirer. Pourtant, il n'aura d'eux qu'une preuve approuvant les épreuves qui assureront sur leur route à deux qu'ils peuvent enfin retrouver une raison d'exister. Marron et Ron reviendront-ils à l'univers pour ne pas sombrer? Bon, j'ai rien compris à ce que je viens de lire. Je crois que j'ai un peu bugué. Je suis désolée, mais vous marquez le titre et vous le retrouverez certainement. Voilà. Après, celui que je voulais mais que j'allais pas le chercher absolument, c'est celui-ci de Anne Auchan. Je sais pas comment ça se dit. Tristel Love, le phare de
Tout le moment de Hugo Roman, une série enfin, il passe sur TikTok, mais voilà. Celui-là, je pense que je vais pas vous parler du résumé parce que je crois que tout le monde l'a déjà vu passer, tout le monde connaît un petit peu du résumé. Du coup, je pense pas en parler plus que ça. Voilà. Parce que j'attrape plus de voix et il faut que j'aille à l'école aujourd'hui. C'est le dernier jour. Après, c'est une semaine de congé. Du coup, il faut quand même que je garde un peu ma voix. Après, j'ai vu celui-là. Il me tentait bien. Je ne sais pas de quoi il parle. Je connais pas la maison d'édition. Mais c'est la première fois que je vois cela dans mon. Enfin, je sais pas si c'est pas cela que j'ai déjà. Mais enfin, soit. C'est. Ravatou. Flouk. Je sais pas comment ça se dit. Mais j'aime bien le. Je me passe. C'est quoi? C'est un oiseau pour moi? Je sais pas. C'est de chez Charles. Châtelier? La maison d'édition? Je sais pas, je connais pas. Non. Mon plus grand espoir, reconnaître l'amour de voir de plus grand peur, connaître l'amour dévoré. Je sais pas si vous allez savoir lire la phrase, mais il est très beau, mais il est noir. Du coup, je vous lis un petit peu celui-ci. J'ai grandi avec la conviction qu'une histoire d'amour n'a pas de valeur, que si elle imprime souffrance et sacrifice. Lorsque Célia, 19 ans, débarque à Tripwall, elle se prépare à passer une année pénible entre deux dîners géants avec son père qu'elle connaît à peine et ne et plein de boulot ennuyeuse et à usiner. C'est le prix à payer pour hésiter et éviter une coquette somme qui lui permettra de mettre sa mère à l'abri des besoins. Mais alors de son premier jour de travail, la jeune femme rencontre Seigne. Sene. Elle est aussi autant attirée intérieurement par son garçon sexy, intelligent, attentionné et qui semble partager bien de secrets avec celui qu'elle considère comme son frère Dominique au charme qu'il abroite et leur réputation de mauvais garçon. Malgré les activissements, Célia est incapable de résister à la tentation qu'elle ressent pour lui, surtout quand il l'encourage à s'asseoir sur son désir. Oh, il me tente bien celui-là. Et c'est écrit assez gros quand même. Voilà. Mais il est tant bien. Voilà. Je vais montrer le dernier que j'ai pris. Enfin, le dernier, non. J'en ai encore deux à montrer, mais que j'ai pris comme ça au hasard. Que il me tentait. Voilà. Celui-ci. Donc, tel me. Dune. Voilà. Je sais pas, on dirait un peu. Sarah Wesh. Je sais pas comment ça se dit. Je sais pas. Il me tentait bien. Pourtant, la couverture m'attire pas. Enfin, c'est pas une belle couverture quand je vois d'autres couvertures. Mais j'ai pas aimé attirer. Oh oui, c'est quand j'ai lu le petit. Parce que regardez, là derrière, il y a des petites pétales. Ça a l'air pas mal. Quand j'ai vu la phrase ici en rouge, je me dis, ouais, ça a l'air pas mal. Si Roméo et Juliette avaient vécu à Los Angeles de nos jours. Ça donne bien, hein, à Los Angeles. Dylan est SDF et vit dans la rue depuis 10 ans. Il se drogue pour faire taire ses démons et se prostitue pour pouvoir payer ses doses suffisantes de Nouès. Je sais pas ce que ça veut dire, Nouès. Endroit le plus dangereux de Los Angeles. Je parle d'Nouès, ça m'emmerde. Où le corps boulevard. Où les corps
bouleverse encore, mais où les âmes sont priées depuis bien plus longtemps. C'est un peu comme attendre la mort avec un pied en enfer. Callie habite dans la plus belle quartier de Los Angeles. Elle ressemble tout avoir pour être heureuse. Elle est riche, elle est déjà promise à un homme très convoité, mais apparemment sont bien souvent trompeuses. Callie vit en réalité une véritable cauchemar. Son fiancé, un monstre violent, lui a été imposé par son père quand sa mère, elle ne cachait pas son aversion. Elle se cachait par son aversion pour sa propre fille qu'elle trahit comme une moins que rien. Ça donne déjà envie, hein. Mais le hasard fait parfois de beaux cadeaux d'espoir à elle où ils ont attendu le moins autour de la ruelle. Daniel sauve Camille ses griffes de ce agresseur. Entre deux âmes brisées, un lien indéfectible de valeur créée entre deux. Amoureuse et toute propre, pourrait-elle enfin retrouver la solution dans les bras de l'un l'autre? Si l'histoire d'amour pur et poussant à Roméo et Juliette vous réunit au... En fait, je sais pas si vous allez voir. On sait pas lire avec les petites taches qu'on a. Trame, alors qu'on peut vous assurer, vous allez tomber sous le charme de Daniel et Callie. Il me tente. Et j'essaie de vous montrer une page. Voilà. Ça a l'air assez bien écrit, épais. Il me reste trois à vous montrer. Les deux que j'allais chercher de base, c'est celui-ci. Je vais pas vous lire le titre, mais il est beau aussi. Voilà. Même le nom de l'autrice, je vous le mets là. C'est une réécriture de Peter Pan. Je ne le savais pas quand je l'ai vu. J'ai dit, il me le faut. Du coup, je vous lis. Je vais peut-être pas tout vous lire parce que j'en ai encore deux et j'ai presque plus de voix. Dans ce monde comme dans le tien, si tu n'es pas le monstre, alors tu es la proie. Depuis deux siècles, toutes les femmes de sa famille Darling disparaissent au moment de la fête de 18 ans. Elles se volatilisent et se réparent. Heureusement que des jours, des semaines, voire des mois plus tard, brisés. Winnie, le saint, tel fut le destin de sa mère et de sa grand-mère. Avant elle, alors le jour de ses 18 ans, elle est en proie de impuissance la plus totale. Approche de son pire cauchemar. Sa mère désespère à tout espoir espère pour la sauver, marquant profondément le corps et l'esprit de Winnie. Mais c'est une issue insustentable, car une fois la nuit tombée, il vient la chercher, et cette fois-ci, le roi du pays imaginaire est le garçon perdu ne laisseront pas leur darling s'échapper. Voilà, ça a l'air pas mal aussi, tiens. Et en plus, le jaspas, je sais pas si vous allez voir le jaspas partout, là on le voit un peu mieux. Il est magnifique. Et pourtant, c'est juste un brochet, un bête brochet. Et alors là, il y a une petite phrase que je vais vous lire. L'histoire se trompait tout. Crochet a jamais été méchant.
Gros chat n'a jamais été méchant. Encore qu'il est beau. Regardez. Vous n'avez pas vraiment la couleur de... À toutes les filles qui ont dû grandir trop vite. Il a l'air vraiment magnifique. Voilà, il me tentait bien. Celui-là, par contre, j'ai pas vu beaucoup passer. Celui que je voulais absolument que tout le monde en parle, et je lirai pas le résumé, Red Folco, chez Plume du Web, Danger interdit et irrésistible. Voilà, il est trop beau. J'aime beaucoup. Il sent bon. J'aime beaucoup. Et un que je veux absolument vous montrer, mais qu'il faut que je prenne de force, je crois et je suis presque sûre que c'est un de mes plus beaux livres de ma collection. Oh, il est lourd, mais il est lourd. Oh, vous n'allez pas... Il prend pas justice, cette lumière. Attendez, je fais pause et je vais essayer d'allumer l'autre. Me revoilà, je crois qu'il donnera beaucoup mieux comme ça. Regardez cette merveille. Il est gros, je vous le dis. Hein. Cette merveille. Et vous n'avez pas encore tout vu. Regardez ça. Regardez ça. Ce jaspache. On a aussi le petit... je peux signer qu'on dit. Et vous n'avez pas vu ça. Regardez. Il est troué. Pour faire paraître le dessin. Il est trop beau. Il y a des petits dessins dedans. Je vais vous parler du livre. Hein. Mais d'abord, c'est... Serena Valentino, Les Vilains, Disney, Le Grimoire, Hachette et Rose. Voilà. Il est lourd. Hein. C'est un... Quand je vous voyais ça à ça, c'est... C'est... Regardez ça. Il est fameux, fameux, fameux. Regardez. Il est trop beau, mais il est trop beau. Et du coup, dedans, le grimoire renferme les 6 premiers tomes de la collection Vilaine. Il est trop lourd. Miroir, miroir. Histoire de la bête. Preuve d'âme en prédiction. Maîtresse de tous ces mauvais, les mauvais, écoute que moi, étrange, et les étranges sœurs. Étranges sœurs, je connais pas. Écoute que moi, je connais pas. Voilà, il est dans le miroir. Enfin, c'est les titres. Je sais pas si on va voir plus les titres. Je vais essayer de vous montrer. Miroir, miroir, histoire de la bête, pauvre âme, je sais plus quoi, perdition. L'autre, je sais plus. Maître de tous les mots. Et je vous montre les deux autres. Je sais pas si vous savez les lire, mais voilà la collection de ce bouquin. Il est cher, hein, je vous le dis, il est cher, j'ai pas le prix. Je l'ai commandé sur Amazon, mais il est très cher. Il est arrivé très vite. Je vais essayer de vous montrer parce que j'ai vu. Ah là, je tombe dessus. Il y a pas partout. Mais il y a certaines illustrations dedans. Voilà. Là, vous avez de l'écrit. Bon, il y a des écrits partout. Hein. J'essaie de vous montrer une page où c'est bien rempli. Regardez. Ça s'écrit comme ça. C'est bien aéré. Maintenant, pour le lire, je crois qu'il faut être bien installé parce que... Voilà. Et alors, vous voyez, vous avez les chapitres qui commencent avec un petit dessin du magnifique. Voilà. Il est trop beau. Il est à tomber par terre. Celui-là, je ne sais pas comment je vais faire pour le lire. Il faudra bien m'installer parce que... Voilà. C'est pas un livre que je pourrais emporter partout. J'ai essayé de vous retrouver une autre illustration. Mais c'est compliqué. Là, celle-là, elle est belle aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, je vois rien si je vous montre bien. Vous avez une illustration, le texte à côté. Voilà quoi. Mais voilà, il n'y a pas tout le temps d'illustration dans ce bouquin. Parce que là, je regarde, mais je n'en trouve pas. Ou alors, je n'en trouve pas. Mais j'en ai vu deux, trois hier.
Ouais, je ne l'ai pas feuilleté vraiment non plus. J'ai juste déballé. Mais regardez cette beauté. Oh, je suis amoureuse. Je ne sais pas où je vais le mettre. Parce que pour le moment, j'ai pas de place. Je vous ai pas encore dit, mais logiquement, je déménage. Bientôt. Enfin, j'espère. Bientôt. On espère. C'est pas encore pour bientôt, mais on va plus traîner normalement. Mais il est trop beau. Et je suis trop fan, je suis trop contente. J'ai craqué dessus, mais il a un certain prix. Mais je crois qu'il les vaut bien. Franchement, il les vaut bien. Je suis trop contente. Voilà pour tout ce que je vous ai montré. Dites-moi dans les commentaires lequel vous plaît le plus. Et sur ce, moi je vous dis. Je vous dis. Je ne sais plus parler, excusez-moi, je rattrape mal, vraiment mal la gorge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, même si je ne suis pas très régulière pour le moment. Et c'est normal, il y a beaucoup de changements dans ma vie. Je vous en parlerai une fois voulu, parce que pour le moment, je tiens pas trop à en parler. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des personnes qui soient au courant de ma situation pour le moment. Du coup, voilà. Mais si vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram bébéclochette10. Si je dis pas de bêtises, mais il est en barre d'infos, n'oubliez pas. Venez me poser des questions et je vous tiendrai au courant si vous avez envie d'en savoir plus. Il n'y a pas de souci, mais je ne dirai pas à tout le monde parce que j'ai des personnes de ma famille que je ne veux pas en parler. C'est juste pour ça. Ouais. Sur ce, je vous dis à plus tard et je vous fais des gros bisous parce que moi, je dois bientôt m'en aller. Bisous, bisous.